Ballon pris par Rabadi, ça va sortir avec Bobigny pour Serein, le retour intérieur sur Villiers qui était attendu. Dérogelé. Le ballon est toujours pour les Toulonnais. Qualité. Et les premiers points de ce match en faveur des Toulonnais. Une chandelle bien récupérée par Letz. Il est très à l'aise en l'air. Qui avance, qui a une solution sur l'aile avec Noël. Noël qui peut avancer le long de la ligne de touche, il est repris. Favre qui allonge sa passe pour aller chercher Sauteni. Il y a un bon coup à jouer. Sauteni, la fin de passe. Donc il était peut-être un peu trop. David encore lui qui sort ce ballon tout de suite. Carvalho qui est allé chercher Aldrit, le ballon toujours pour les rangs. Début d'alignement, ballon dévié par Rabadi avec Serein, Bigard. Le petit coup de pied à suivre, mais récupère. Il aura pu, il est passé, il est repris dans un deuxième temps, il cherche du soutien, il est plaqué. Ah, le joueur qui vient de sauter là, Denis le 10. Hein. Ici peut-être, on est derrière la ligne, est-ce que le passeur pour Dan Bigard. Ballon est sorti, Carvalho, la fin de passe, il va derrière la ligne, l'aplati. Oh si le ballon était aplati, oui monsieur. Qui débute sur le banc. Ça passe. Ça fait de Carvalho. Quand vous avez Danti lancé, ça mobilise un petit peu des défenseurs qui sont un petit peu en attente. Du coup, ça crée de l'incertitude. Monsieur Kerr qui siffle une nouvelle pénalité. Ballon pris par Lavo. Bourgarit. Bourgarit avec West. On va aller chercher Sauteni qui est stoppé à l'entrée des vannes. Carvalho. Un petit peu, j'ai sous pression, Noël. Il y a toujours l'avantage pour les Rochelais, Noël. Ballon porté des Rochelais. C'est bien structuré, c'est sorti en avant. Ouais. Au départ d'Olivon, derrière cette mêlée. Les Toulonnais. La mêlée toulonnaise qui est sanctionnée, c'est joué rapidement par les Rochelais. Bourgarit. Deuxième pénalité, carton jaune. Ouais, nouveau carton jaune cette fois. Pour Baptiste Serein. Ballon pour les Rochelais. Bourgarit qui a gardé ce ballon. Nouveau ballon porté, ça va au sol. Bourgarit. Bourgarit, il est quasiment dans l'imbute. Croise avec Aldrit. Ledlam. Il est rejeté encore avec Letz. Letz, attention, le ballon est sorti. Favre. Il est rejeté encore. West. Noël. Ah non, il n'y a pas d'ouverture, ça s'est refermé. Noël. Letz. Letz qui joue son duel, le crochet intérieur. La deuxième lame. Attention, ce ballon qui a été touché par un Toulonnais. Pas d'en avant, signalé. Ouais, j'ai entendu, merci. Priorité numérique, ouais, mais il y a une mésentente là, encore une fois, au niveau de la touche. Non, elle est dedans. Intervalle, le joli crochet de Gavin Villiers, il est un peu seul. Le petit coup de pied, peut-être un peu long, et ce ballon qui va. Payaoua. Stoppé net. Thomas, l'avantage est terminé sur l'en avant. Thomas qui accélère, qui essaie de prendre l'intervalle, la passe. Payaoua qui saigne d'ailleurs. Tête contre tête. Monsieur Kerr qui finalement reste sur la c'est pelouse. C'est bon Denis. Que rencontres qui sont un peu épaisses on va dire. Les deux équipes qui sont revenues. Le début de cette seconde période. Le coup d'envoi donné par Iaia West. Et qui reste dans l'air de jeu. Let's. Le crochet extérieur. Ah. Serein, Villiers maintenant, qui retrouve Serein, le crochet. Il va être repris dans un deuxième temps. La belle passe dans le dos pour. Qui a été gêné dans sa progression. Ah, la passe limite de Letz. Ouais, ça y est. Serein, qui tape à suivre. Attention, la vitesse de Dréan, qui va être le premier sur ce ballon. La transformation de Dan Bigard. Dosé, on le voit dans la course, ce jeu au pied rasant. Et Dréan qui va prendre de vitesse les. Qui avait gagné la
Coupe d'Europe sous le maillot de La Rochelle. Letz qui remonte cette balle. Letz qui se prend un intervalle, il est plaqué. West. Noël qui va chercher Letz. La belle passe, magnifique passe de Jack Noël. Il a repris l'avantage au score. La transformation est réussie. On le voit, elle est prise surtout par les passes et par les courses différentes des Rochelais. Tout est très très bien réalisé. Ballon pris par Ribbons. Un arrêt. Attention, Rivaldi qui est sur le reculoir. La bonne défense de la part des Rochelais. Les Toulonnais qui reculent. Un à 8. Vite ! Vite ! Vite ! C'est Tiano. Pénalisé ! Oh, plutôt pas mal. Merci. Attention à cette attaque avec Thomas qui est stoppé. Il est passé, Teddy Thomas. Il est repris dans un deuxième temps. Il a pu glisser cette balle encore à un partenaire. Et encore un ballon perdu par les Toulonnais. Un 12e ballon perdu par les Rochelais. Et je crois que c'est la... Ouais, qui passe les bras, c'est bien fait Thomas. Qui a pu trouver Favre. La fin de jeu au pied, il est plaqué ensuite. Oh, qui pousse derrière son équipe. Qui a envie que... Que les Rochelais prennent le... Du stade Rochelais qu'on pourrait voir dans quelques instants pour sa première sous son nouveau maillot. Et qui lance une attaque, ça c'est pas mal fait avec Astoy qui a vu un intervalle où il y a peut-être une faute sur l'attaque. On va voir Astoy qui est en première ligne donc à gauche. Le ballon pour les Toulonnais à présent. Et nous essaie. Le ballon gratté, récupéré par Will Skelton. Il n'y a pas de soutien côté Toulonnais. Il va dans le but, mais le ballon est toujours en faveur des Rochelais. Colombe qui essaie de sauter par-dessus le roc et qui réussit. À ce sens-là, on va plus le voir. Ouais, à marquer. Eh oui. Et il pourra se faire chambrer autant que. Bon, c'est pour Rivaldi, début d'alignement. Ribbons avec Danglo. Danglo qui va chercher la lame pour La Rochelle pour aller chercher le bonus offensif. Et le ballon pour les Toulonnais. Avec Fainga à Nuku pour Dréan qui va aller marquer un doublé. Gaël Dréan, le deuxième essai pour les Toulonnais. Il faut le trouver. Ça paye pas tant que ça. Du coup, on les prenait les. La transformation est. On va chercher les extérieurs, on va chercher la vitesse. Après, on a un énorme travail de Jules Danglo aussi, hein, qui va permettre de. Il y a un arrêt. Sauteni qui sort les bras, qui retrouve Astoy. Astoy stoppé. Sorti pour Astoy. Longue passe pour aller chercher Haddad. Haddad qui résiste au premier plan. Ouais, le ballon pour l'instant est maîtrisé par les Rochelais. Le départ dans le fermé. Une arme vraiment sur moi. Il y a la dangerosité, effectivement, mais après on applique. Le club de La Rochelle. Ouais, il se baisse effectivement. Mais il y a la cage. Et cette fois il est poussé en touche. Je pense qu'on va en rester là. La fin de cette rencontre. Il y aura le Canal Rugby Club à partir de 20h20 autour de Van Toulouse pour...